un moment de patience. Ce que Bach fait, ce qui est si incroyable, c'est que chaque pièce est un individu absolument autrement que l'autre. Numéro 14, c'est une vraie vieille gigue. Et après la cinquième mesure, ça commence à danser. Jusqu'à le thème retourne. Faites-le si intelligent que possible, s'il vous plaît. Cette musique est plus intelligente que tout l'autre. Non, pardon, pardon. Laissez-moi une fois encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est le commencement. Monsieur, ça vaut aussi pour vous la même chose aussi. La vie, toujours comme ça. Alors je commence numéro 15, s'il vous plaît. Numéro 15. Un des trois, un des trois, un des trois, un des trois. Un, deux, trois. Non, monsieur. Non, non, non. La levée aussi court. Pas, pas, comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi tout le monde. Le problème, c'est toujours pam, pim, pa, ta 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 ta.
écoutez-moi bien, le thème parle. Et quand le thème est fini, commence le contrepoint qui observe, qui pense et qui discute. Mais le thème parle, le thème fini, on commence à écouter l'autre. Et ainsi, vous devrez me tout faire. Essayez une fois de penser de ça. Merci, monsieur. La deuxième note doit être bien un peu chantée. La même chose. Pas trop fort, pas trop fort. C'est trop dangereux ici. Très tranquille, please. Il n'hésite pas plus fort, s'il vous plaît. Finit-il. Et exaltez les deux, trois flûtes, très fort. L'oreille n'entend pas si bien ça. Un peu plus fort entrer. Quatre mesures. La première note doit être la plus forte. Diminuendo. Dans la mesure après, la même chose sur trois. Dans la troisième après, la même chose. Avec un permanent diminuendo. Numéro 50. Non, pardon, c'est pi-tom, pi-tom, pi-pi. Thank you.
des masses. Voici votre père, enfant. Il était né d'une famille très très pauvre. Les parents avaient à Berlin un tout petit restaurant où il y avait le policier du quartier, le facteur et des autres ouvriers qui venaient manger en 1900 pour 45 centimes, tout un repas avec un verre de bière. Et ce papa, quand il avait 3 ans et demi, son frère avait 7 ans de plus et il possédait un violon. Et le frère n'aimait pas du tout jouer. Alors votre père, à 3 ans et demi, est allé demander, « S'il te plaît, papa, laisse-moi jouer le violon. Je voudrais tellement volontiers le jouer. » À 9 ans, il a connu déjà toutes les quatuors de Haydn. À 12 ans, il savait à mémoire des partitions de Mozart. Et il racontait souvent qu'il commençait à pleurer en lisant une partition de Beethoven ou de Mozart par émotion. À 22 ans, il a commencé à diriger l'œuvre de Schoenberg, c'est-à-dire la première mondiale de Piero Luner. Quand il avait 20 ans, il a commencé à diriger jusqu'à l'âge de 75 ans. Il a eu toute une vie pleine de musique. Tu te rappelles, Hera, quand tu t'es prié de danser, quand il faisait sonner la musique de Stravinsky, oui. Il est couru de ville en ville et il a aidé surtout à tous les jeunes talents encore inconnus d'être appréciés par le monde musical. Il se levait le matin entre 4 heures et 8 heures. En été, souvent, à 4 heures,
quand les oiseaux commençaient à chanter, alors il était enthousiasmé de ce chant. Il se levait pour aller faire un grand tour dans son jardin, pour aller regarder ces arbres qu'il a tout fait planter lui-même, ici sur la grande place. Et aussi pour regarder son petit lac en haut, au bord de la forêt. Après, moi, quand je l'ai entendu revenir à la maison, je me suis levée pour prendre le petit déjeuner avec lui, parce que c'était la plus jolie heure de toute la journée. On était tout tranquilles, tous les enfants dormaient. Non, oh, devient d'un moment de vie, je te dis. Ne voyez pas ça, hein? Qu'est-ce qui passe? Si, va y apprendre. Il était très rigoureux parce que lui-même, il ne voulait jamais arriver en retard. Il aurait eu une très grande honte en arrivant en retard. Il trouvait que l'orchestre devait savoir jouer et il était impatient avec lui-même. Il avait l'expérience et l'exercice de 55 années de direction. Alors c'est aussi à son âge, il avait aussi le droit d'attendre ça des autres s'il les dirigeait. Monsieur, vous vous êtes fâché, oui? Monsieur, s'il vous plaît, vous me faites nerveuse quand j'étais si gentil pour vous. Il tenait à ça parce qu'il disait, si un homme, il vit seulement pour soi-même, il peut vivre comme il veut. Mais si un homme, il doit prendre part à une communauté et travailler avec une communauté, alors il doit s'adapter aux règles fixées entre eux. Je vous prie seulement d'avoir la même gentillesse et la même observation comme tous les autres. Rien d'autre, si c'est fâchant, alors bon. Parce que vous avez de nouveau tout le temps avec des petites discussions là. Je suis ici pour répéter. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des scènes comme ça, comme hier déjà avec vous. Vous avez là touché la lumière et là j'ai vous vu. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas un ami des messieurs de l'orchestre. Je ne sais pas que vous faites ça, que vous êtes de l'orchestre de l'opéra comique. Peut-être on fait là comme ça. Je ne crois pas. Il disait souvent que les gens, ils luttent pour leur vie et pour leur, comment on dit, amour propre. Et selon leur force personnelle, morale, spirituelle, physique, ils luttent comme ils peuvent. Mais il dit que lui, personnellement, il n'a jamais rencontré des personnes mauvaises. Ça veut dire, s'il grandait avec un membre de l'orchestre, il grandait seulement avec ses membres pour la faute que ce membre d'orchestre a faite. Si le même membre d'orchestre, 10 minutes après, a sonné très bien, jouer, vous dites, jouer très bien, alors il était capable tout de suite de lui sourire et avec un clin de la tête, de lui remercier. Alors il était tout de suite heureux parce que il a toujours dit la vie humaine est trop difficile. Il disait que si une personne est agitée, le battement du cœur n'est pas le même que si une personne repose ou qu'une personne est gaie. C'était ça qu'il entendait entre la différence des temps. Il voulait dire avec ça, on ne pouvait pas avoir dans la vie vivante un temps absolument exact. Et il voulait dire avec ça que aussi la musique ne pouvait pas avoir le battement absolument exact. Même pas la physique ne connaît pas le temps absolument exact. Ce n'est pas possible sur notre terre matérielle. Fate i bravi bambini, né? Il disait que la musique de notre temps, on ne pouvait pas composer une musique en 1966 comme on a composé dans le temps de Mozart, parce que le temps est un autre. C'est-à-dire, l'homme est un autre parce qu'il subit des autres impressions et une chose très importante, des autres vitesses.
Au temps de Mozart, on a fait un voyage de Vienne à Paris en un mois. Aujourd'hui, on le fait dans 2 heures ou 1 heure. Alors ça, ça a une grande influence sur la personne elle-même. Regarde ici, cette concentration si tranquille. Ici, c'est comme il entendait, il écoutait quelque chose, oui? Et ici, c'est comme un recueillement, presque une prière. Toute l'âme, toute la pensée, tout le cerveau, tout le front, avec les mains, il se recueille. Je crois que quand il faisait la musique, quand il dirigeait la musique, il ne savait plus rien qu'il existait un monde hors de la musique. Monsieur, c'est pour moi tellement difficile quand je vais regarder, et quand je vais commencer et je regarde et je vois 2-3 personnes qui ne sont pas prêtes. Soyez si gentil. Non, exact ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher monsieur, les 4 manières du thème, vous me permettez un mot pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est, le thème vient 4 fois. Une fois tu ti, après ta ti, tu ta ti, dans le ténor. C'est si comme 4 personnes en discutant la même chose. Ça, c'est le sens de la fugue. Le premier dit, par hasard, oh, la vie est très difficile. La deuxième entrée, ce n'est pas si difficile. Le troisième, c'est plus que difficile, c'est terrible. Et le quatrième, alors, qu'est-ce que nous faisons avec la vie? Ça, c'est le sens de la fugue. Et si on parle, si ça c'est fini, et le contrepoint commence, on commence à penser en écoutant ce que l'autre parle. Et ainsi, ça c'est le style que vous devrez me réaliser et aider, s'il vous plaît. Très bien. La petite maison qui, pour les appareils qui ne prennent pas de la pluie, quand on avait le contraire. Vous vous rappelez? Ici, il faisait la démonstration de sa grande boule, son invention. C'est une boule à 32 haut-parleurs pour faire entendre sur des grandes places ou des grandes églises, à chaque place, avec la même intensité, la musique, ou le parler. Mon mari a essayé à tous les gens qui sont venus ici travailler comme compositeurs, comme chercheurs d'acoustique, de pouvoir travailler sans contrôle, sans hésitation, le temps d'avoir fini le travail. Ça, c'est une très très belle image. Très sensible de papa. Il était dans le studio, il a simplement pensé, je pense qu'il a pensé sur une œuvre. Oh, non.
pousse l'homme. Un settore circolare? Sì. Cos'ha? L'arco, la lunghezza? Sì, devo calcolare l'arco, la lunghezza dell'arco. Due volte pi per r. Brava, metti in fretta, due volte pi r. Come il trovai che c'était absolument important di discutere avec tous les pays, parce que dans le congrès où le titre était Qu'est-ce que c'est que la musique légère, de beaucoup de pays de l'Amérique, de l'Angleterre et aussi de l'Allemagne orientale, des Indes même, du Canada, de USA, ils sont venus ou des ingénieurs ou des directeurs des radios. Et on avait deux ou trois traducteurs immédiats. C'était des conférences très très intéressantes, très animées. Alors, ils étaient tout le monde plein de discuter, des idées, de controverses. Et comme ça, mon mari, c'est à cause de ça, vraiment à cause de ça, qu'il avait l'idée de les faire manger chez nous. Alors, ils ont mangé pendant une semaine. On avait 80 personnes tous les jours à table, le déjeuner et le soir. Mais c'est moi qui ai fait tout le manger pour midi et pour le soir, ici sur ce poêle de 4 trous. C'était tout ce que j'avais. Alors, mais mon mari qui était sûr que je pourrais le faire, moi je l'ai fait pour l'amour de mon mari, alors ça marchait très bien. Et c'était très très charmant, parce que l'unique problème qu'il voyait était si on avait assez de chaises. Il voulait qu'on avait le temps et l'animation de discuter. Il avait le plaisir spirituel, et peut-être aussi le plaisir, sa manière de plaisir social, de les faire venir tous chez lui. C'est pour ça qu'il travaillait, c'est pour ça qu'il vivait.
C'est un idéaliste et pas un industriel. Du team, s'il vous plaît. Thank you.
5, s'il vous plaît. Ah, ça c'est très joli. Ici, il est en haut de notre jardin. Et de ce banc, on voit exactement le cimetière où maintenant il repose. Qui se succédaient un après l'autre jusqu'à l'infini. C'était une personnalité grave qui demandait du respect, et pas du respect à cause de la peur, mais du respect qu'on a pour une personne, pour un esprit vraiment supérieur, pour un humain surtout, qui se donne une vraie peine de réussir dans des questions profondes dans ce monde. Il était très gai, il était très bon, mais surtout il était très sérieux et très grave dans ses pensées et dans ses intentions. Il ne voulait jamais laisser quelque chose à la chance, quelque chose au choix libre. Il était sûr que l'homme devait dominer et régler avec son esprit et avec ses forces, ses découvertes et sa volonté la nature. Il avait l'air d'être un enfant. Il avait deux yeux bleus, si rayonnants, et il pouvait avoir une expression si douce, si bonne, qu'on aurait pu se jeter dans ses yeux comme dans un lac bleu en été. N'oubliez pas ce que j'avais prié, tout le monde. Nous me sommes tous à quatre lettres, s'il vous plaît, par favor. Tout un autre style, pas oublié. Quatre. Meilleur et inscrire. Encore. Non, fais tout plus court. Papa. Non, monsieur, s'il vous plaît, pas nerveux. Vous me commencez à courir, s'il vous plaît. Le tempo reste rigide. Sept flûtes. Il avait voulu donner en commande à un compositeur de faire une musique pour le texte de Jean-Paul où le poète parle de Jésus-Christ que se trouve sur une montagne et il crie à l'humanité que Dieu n'existe pas. Je ne crois pas que ça correspondait à ses idées religieuses parce que je crois qu'il n'a jamais parlé dans le sens de religion, qu'il a dit « je crois » ou « je ne crois pas ». Et quand il a dirigé, par exemple, la Passion selon saint Matthée, il a eu très très soin afin que les chanteurs chantent ainsi qu'on comprenne les mots. Parce qu'il a dit que Bach était emporté par les mots.
il expliquait toujours aux enfants le texte avant qu'il aille aux répétitions et aux concerts. Et je dois dire, quelquefois, on avait la sensation qu'on était dans un temple. Il était sûr que l'homme arriverait à pénétrer dans toutes les questions d'éternité, avec la science et avec la pensée. Il n'était ni mystique ni religieux, il était humain. Alors, mes chers enfants, on boit à la mémoire de notre cher, cher papa. La vie de famille se concentrait à la réunion à la table où on mangeait. Alors, le petit déjeuner, mon mari était assis ici. Alors, il se tournait, il se prenait tout le temps. Il disait à l'enfant, va là au mur, montre-toi. Alors, s'il n'était pas bien coiffé, pas bien lavé, pas bien habillé, alors il a dit, écoute, tu vois, moi, je me suis bien habillé pour toi, je te prie, va et reviens encore une fois. Et c'était une liaison très, très profonde, sentimentale, vrai amour entre fils et père, fille et père, et aussi unis avec un très, très grand respect réciproque. Il a dû, dans l'été, il a préparé le vodsek. Les enfants ont pu faire tout le bruit qu'ils voulaient, seulement pas un bruit vulgaire et mauvais. Ils pouvaient rigoler, ils pouvaient crier, ils pouvaient chanter, ils pouvaient bavarder, ça ne lui faisait rien. Mais il n'aimait pas un bruit sans raison. Ecco. Adesso c'è una buonissima cosa, un momento. Che è? Tutti a tavola, va! Ma io svengo. Che nome, giù. Di quale è più bagno le mutande? Cominciamo con la più piccola. Era tu cominci. Più buono del mondo. No, ecco, come una in fretta. Ecco, più buono del mondo. Adesso la Francesca. No. Sì. Erpi. No, lei. Sì. Erpi. Erpi. Sì. Ti piace? Mi dammi un bel bacino. C'è Stellina, cara, caro amore. Va in fretta a letto. Va dentro nella camera. Après cette numéro vient la dernière fugue, numéro 20. On commence, s'il vous plaît. Les dernières images prises en mai avant sa mort pendant une répétition. Quelque chose de très très spirituel, déjà un peu plus de ce monde. Tu trouves aussi complètement absorbé par la musique et par l'esprit.
Regardez cette merveilleuse ligne des mains. Vous vous rappelez que papa avait des mains merveilleuses, oui? Il avait des mains merveilleuses. Des mains maigres, très masculines, très très tranquilles et superbes. C'est une élégance qui vient de l'intérieur. C'est, papa aussi en dirigeant n'a jamais eu des mouvements étudiés. Les mouvements venaient vraiment de l'intérieur de la musique. Elle était si douce quand il nous caressait. Et c'est maintenant son esprit qui nous caresse. La flûte, deuxième mesure. Le trois bassons. Croyez-moi, pour mon expérience, ça sera si important. Vous connaissez maintenant aussi bien et faites de la musique avec moi, s'il vous plaît. Thank you.
E adesso passi, pagotti! Come intese? Sì, si chiama bene, si chiama... Thank you.